l'époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, you know, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Definitely. Class change. Definitely. Mm-hmm. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Floraison, le podcast autogéré par des stagiaires pour une culture de résistance écologiste, libertaire, féministe et antiraciste. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Zéro déchet et zéro utilité ?» Point d'interrogation. Aujourd'hui, on va parler de zéro déchet. C'est une grande question dans les milieux écolos où on voit tout le monde se mettre au zéro déchet et gérer des petits gestes. On va essayer de démêler les imaginaires et croyances autour de ce mode de vie, de voir ses effets positifs mais surtout ses limites indépassables. Pour cela, on reçoit Hélène de Vestel, qui est fondatrice d'EDENI, un label éco-responsable qui fait justement des conseils pour passer à l'action zéro waste en entreprise. Bonjour Hélène. Salut. Peut-être que tu pourrais commencer par te présenter un petit peu. Oui, alors je ne sais pas si je suis la plus légitime pour aborder ce sujet. C'est un des axes qui m'a intéressée et sur lequel j'ai travaillé, mais pas uniquement. En revanche, c'est vrai que sur certaines clés éventuelles que je peux avoir de lecture sur ces sujets-là, c'est important, je pense, toujours de remettre dans un contexte. Et moi, il y a une idée, en tout cas, qui est mienne et dont je suis convaincue de la pertinence, c'est l'idée de déterminisme social de Durkheim et de savoir d'où on vient. Et du coup, c'est vrai que c'est important de pouvoir identifier que certaines idées que, par exemple, je vais pouvoir partager ici sont miennes et ne sont pas plus valides qu'une autre. J'ai aucune prétention d'avoir aucune vérité. En revanche, il y a quelques expériences et quelques confrontations qui m'ont amenée à développer ces sujets-là. Et notamment parce que je viens de la campagne et que j'ai un certain prisme du fait d'être une femme blanche, hétérosexuelle, d'être née en France, d'avoir eu cette chance. Je suis née d'une famille d'agriculteurs et éleveurs, vraiment dans la campagne, dans un petit village de 300 habitants, où il y a plus de vaches que d'habitants, avec des parents qui se sont tués à la tâche, qui n'ont jamais eu de vacances, qui n'auront pas de retraite. Et pour moi, la lecture, que ce soit du monde de Sophie des 8 ans ou tout Émile Zola, c'était vraiment un échappatoire à ramasser des cailloux dans les terres ou à évider les sangliers, à répandre de la chaux sur les fientes de poulet ou à les couper du bois, quoi. Donc j'avais vraiment ce besoin, enfin j'ai eu la chance de pouvoir m'évader par la lecture et je suis devenue une boulimique de lecture jusqu'à aujourd'hui. Dans cette institution d'éducation française basée sur la compétition, ça m'a servi. Donc j'ai été très souvent dans les premières de classe ou la première, ce qui n'est pas du tout une fierté. Encore une fois, c'est basé sur,
sur une compétition malsaine et sur certains critères qui sont ceux de l'institution éducative en France. Mais à un moment donné, du coup, je devais sauter une classe et ça me terrifiait d'aller dans le collège de ZEP où j'avais entendu parler de viol, de vol, etc. Et du coup, mes parents m'ont envoyé en Argentine où j'avais de la famille, mais cette famille vraiment dans le nord-ouest de Tucumán, ville indigène vraiment au fin fond de l'Argentine, ne pouvait pas m'accueillir. Donc j'ai fait déjà à 10 ans plusieurs familles d'accueil. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est le sentiment d'injustice de voir d'un côté des bidonvilles et de l'autre des barrios cerrados, des country, quoi, où il y avait les riches d'un côté et les très pauvres de l'autre. Et moi, je savais pas trop où j'étais, ce que je faisais. J'apprenais une langue, je découvrais de nouvelles personnes. J'ai eu des conflits humains comme ça, des injustices très très fortes, où quand j'ai eu mes premières menstruations, la fille avec qui j'étais, pour se venger que je lui volais ses parents, m'a dit que j'allais mourir et que je me vidais de tout mon sang. Et c'est resté imprégné très très fortement, ce mal qu'on peut se faire entre êtres humains, et surtout ce sentiment d'injustice de voir ceux qui ont tout et ceux qui ont rien, et ceux qui ont tout qui vont se protéger avec des armes, alors que je voyais bien mes camarades qui étaient pauvres, qui n'avaient rien, c'est pas eux qui auraient fait de mal à une mouche. Et toi, mais tu dis que tu ne savais pas de quel côté te situer, mais tu venais avec un capital culturel déjà. Exactement, ouais. Et tu étais pas dans les bidonvilles. J'étais pas dans les bidonvilles, j'étais pas dans les barrios cerrados non plus. En fait, il y a très peu de classes moyennes en Argentine, mais il en existe un peu. Et en fait, c'est des maisons juste qui s'arment jusqu'au cou de barrières, mais qui ne sont pas non plus protégées par des gardes. Et moi, les maisons dans lesquelles j'allais et le collège où j'étais, c'était ça. Mais effectivement, j'étais déjà pas derrière la plus haute barrière, mais j'étais déjà derrière une barrière. Et ensuite, quand je suis revenue en France, ça a été très dur de reprendre le pas avec le collège, avec des considérations de marque, de mode qui ne me convenaient pas. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer un internat, enfin, c'était presque une nécessité. Et je suis partie dans un internat public grâce à une bourse du mérite, encore une fois. Ce chemin, ce déterminisme social a fait que j'ai pu ensuite avoir une bourse pour aller dans une des top 10 classes préparatoires à Paris et découvrir encore un nouveau monde après la campagne, après la rurbanité ou la banlieue de Seine-Saint-Denis. Je suis arrivée dans la jeunesse dorée parisienne à laquelle je ne m'attendais pas du tout et qui est tout aussi violente. Et ensuite l'école de commerce, alors là, l'apothéose de la vacuité et du coup la nécessité de partir à tout prix. Et c'est là que je suis partie explorer à sac à dos, aller vivre avec des foyers, etc. Mais encore de la chance, parce que j'avais pu travailler avant et mettre de l'argent de côté et bénéficier de bourses avant de m'installer en Argentine. Quand tu as étudié en école de commerce, ça partait d'un rêve ou d'une ambition personnelle. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, en fait, pour te rendre compte que c'était une folie, ces écoles? Alors, je ne sais pas si une folie ni un rêve, mais c'était un peu l'idée de qui peut le plus peut le mieux. Et de mes parents qui ont toujours galéré, qui sont toujours sacrifiés et qu'on ne pouvait pas prendre de vacances, c'était... pour eux, pas non plus un rêve, mais de se dire, voilà, au moins mets-toi à l'abri les soucis financiers, les soucis de charge mentale, le fait d'être bloqué dans une campagne, toi tu vas pouvoir t'en extraire et vas-y. C'est un peu l'idée de l'ascension sociale qu'on nous vend et qu'on nous rabâche dans un imaginaire collectif basé autour de la méritocratie, etc. Et après, du coup, t'es partie en Argentine, c'est ça?
Et après, alors après, j'ai eu quand même une petite parenthèse de payer mes dettes et du coup de travailler. Et c'est là où, encore une fois, avec un diplôme et des notes et en étant blanche en France, j'ai pu avoir un boulot de conseil en stratégie. De là, travailler sur des notions d'antiterrorisme, travailler à la Commission européenne. Et ensuite, je me suis laissée tenter, enfin, disons que j'ai eu l'opportunité de travailler pour le ministère de la modernisation du gouvernement argentin, un grand mot. Et pour moi, c'était en même temps une opportunité de me dire, OK, j'ai vu ce que c'était le monde agricole qui était dur de mes parents. Le monde vraiment consultant à Paris, etc., qui me convenait pas non plus, et des grands groupes. Et je me suis dit, tiens, je tenterais bien l'expérience gouvernementale, quoi. Avec l'espoir, ouais, c'est vrai, l'espoir totalement naïf, que ça allait pouvoir changer quelque chose. Bah, du coup, moi, je te demande, qu'est-ce que tu y as fait et ensuite, qu'est-ce que tu as eu envie, pourquoi tu as envie d'arrêter de le faire ? En vrai, pas grand-chose. Ce que j'ai pu faire, c'est peut-être, j'espère, empêcher en tout cas des choses pires de se faire. Par exemple, il y avait un appel d'offres pour le gouvernement argentin de mettre en place des feux rouges intelligents, un peu le mythe de la Smart City qui se développe beaucoup, la troisième révolution industrielle de Jeremy Rifkin, la Blue Economy de Gunter Pauli, etc. Et du coup, c'était de mettre des feux rouges intelligents partout, encore une fois, sous vertu green, écologique, de dire « Ah, mais vous vous rendez compte, les graphiques, les statistiques nous montrent que ça a baissé de 20% les émissions de CO2 dans les grandes agglomérations, et notamment à Buenos Aires, qui contient 40% de la population, parce que ça va fluidifier le trafic, du coup, il y aura moins d'arrêts et de redémarrages, et du coup, moins d'émissions de CO2, etc. » Ce qui est vrai, sur les premiers mois, il y a vraiment ces statistiques-là qui peuvent être mises en place sur les feux rouges intelligents avec Smart Grid qui permettent de fluidifier le trafic, sauf que c'est vraiment, premièrement, une vision très court-termiste parce que ces émissions reviennent à la hausse quand les gens se sont aperçus qu'ils peuvent reprendre leur véhicule parce que ça roule mieux. C'est du budget, c'était 20 millions de dollars à l'époque, qui vont pas à une nouvelle ligne de métro, à des infrastructures publiques, à des encourager la mobilité douce, etc. Et c'est encore du cuivre, des réseaux de surveillance, des caméras, de la surtechnologie et de l'extractivisme à outrance sous couvert de décisions écologiques. Et ça, en faisant venir plein d'associations, j'ai réussi à le faire annuler et à montrer à quel point c'était pas du tout vertueux, et donc à pouvoir mettre en place 300 indicateurs de qu'est-ce qui était vraiment intelligent. Et à l'époque, j'utilisais encore le terme de développement durable. Mea culpa. Non, mais voilà, mais justement, ton boulot, c'était de faire du développement durable. Tu y croyais, tu faisais, et à partir de quel moment tu t'es rendu compte que c'était un oxymore, tout simplement? Ouais. L'oxymore, je pense que très rapidement, on s'en rend compte. En réalité, quand on voit concrètement, OK, qu'est-ce que ça représente des projets de développement durable et pas la belle définition de l'ONU? En revanche, on arrive toujours à se mentir en disant on n'a pas le choix. En fait, il faut développer parce qu'il y a vraiment... on nous vend toujours le mythe de... par exemple, il y a des villages en Argentine qui n'ont pas encore Internet. Il y a des villages, le ministère de la modernisation, ce qu'on devait faire, c'était d'apporter... rien que le nom fait rire. Ils devaient apporter, par exemple, une route. C'est-à-dire que les citoyens de certains villages disaient « Nous, on a juste un sentier, un tracé pour arriver au village. On aimerait avoir une route avec du béton, etc. » Et ça, on nous convainc, le système nous convainc que c'est bon, que c'est bien, que c'est le progrès, que c'est le développement d'aller bétoniser, d'apporter ça. Et c'est très compliqué de lutter contre.
Parce que de l'autre côté, t'as des gens qui sont convaincus eux-mêmes et qui vont venir te voir et te dire « Mais s'il vous plaît, on a besoin de ça, on a besoin de pouvoir s'inscrire, on a besoin d'avoir Internet, on a besoin d'avoir des routes, on a besoin d'avoir un développement de notre ville parce que sinon on n'existe pas, parce que sinon on n'a pas d'école, on n'a pas de professeurs qui veulent venir. » Du coup, c'est très dur d'avoir cette conviction que à terme, ça va être mauvais et ça va apporter que de la destruction supplémentaire, alors qu'à court terme, c'est des gens qui ont des besoins légitimes de se conformer en fait dans un moule social où on te montre que le succès, le développement, le progrès, c'est d'appartenir à cette mondialisation, à cette modernisation, et que du coup c'est extrêmement violent scientifiquement au niveau de l'analyse cognitive de ce qui se passe dans notre cerveau. On voit que quand on se sent isolé socialement, ça active les mêmes zones dans le cerveau que d'être battu, et du coup c'est vrai de... on ne peut pas être totalement froid devant cette émotion et cette violence qui s'exerce, tout en sachant que c'est une violence encore plus forte, plus grande et plus invisible qui va s'exercer par cette modernisation, justement, une fois qu'elle arrivera et que les gens se retrouveront sur le marché de l'emploi, alors qu'avant, ils étaient dans une agriculture vivrière et dans cette exportation. Et moi... Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, surtout par la lecture, surtout par des rencontres avec des gens qui m'ont ouvert les yeux, et puis par des choses assez simples, et je pense que ça va être c'est la thématique de cet épisode, moi par exemple le déchet. Et donc le gâchis a été une prise de conscience très très forte le jour où justement je présentais des indicateurs que j'avais pu développer, qui avaient remporté certains prix à l'ONU ou justement au G7, où j'ai pu aller présenter ces indicateurs devant la Commission du développement durable. Et que là, les experts du GIEC, que pourtant je mettais sur un piédestal, avaient toutes leurs bouteilles d'eau en plastique à la main et étaient venus en avion, etc. Comme moi, je me mettais pas dans un meilleur panier, mais en tout cas, je me suis pris de plein fouet cette incohérence, cette inconsistance, cette dissonance cognitive, appelons-la comme on veut, et cette absurdité. Et je me suis dit qu'effectivement, je ne pouvais plus continuer de travailler avec toutes ces oxymores au quotidien. Et c'est là où j'ai renforcé une action que j'avais déjà commencée. Donc DENI, au début, c'était une association qui donnait des ateliers d'empouvoirment, mais autour du zéro déchet dans les bidonvilles, pour essayer de réduire un peu, parce que les premières victimes des déchets dans mon quotidien à Buenos Aires, c'était vraiment des gens qui vivaient à côté de la décharge et qui vivaient entourés de déchets. Le matin, au petit-déj, c'était un pancho, donc un hot-dog avec du Coca-Cola. Et le Coca était jeté, le papier est jeté, mais au même, sur le lieu même, dans le bidonville, dans les comedores sociales, où on allait donner des ateliers et distribuer de la nourriture, etc. Et du coup, j'avais vraiment cette phrase qui me marquait de « tout le monde mérite de vivre mieux avec moi ». Parce que moi, j'avais été très malade et je prenais des médicaments depuis l'âge de mes 8 ans, alors qu'à partir du moment où j'ai commencé à arrêter d'acheter en supermarché et d'avoir de la nourriture plus crue, plus vivante, végétale, d'arrêter d'avoir toutes ces merdes qu'on ingère avec le dentifrice, avec les shampoings, avec les trucs, en fait, j'ai plus besoin de ces médicaments. Alors, c'est une anecdote, la charge de preuve, elle est nulle, ça ne concerne que moi. Mais en tout cas, même le fait de plus avoir de possession matérielle, de vivre vraiment très chichement à Buenos Aires, enfin, les salaires au gouvernement, quand on commence, c'est rien du tout, on n'a pas de vacances. Voilà, je travaillais comme une acharnée et pourtant, je vivais tellement mieux, tellement plus libérée que voilà, j'avais envie de transmettre tout le monde mérite de vivre mieux avec moi. Et ça a commencé par ça dans les bidonvilles, en se disant, vas-y, on va récupérer l'huile des ponchos ou des petites guinguettes et on va en faire des savons. Et comme ça, vous n'aurez plus besoin d'aller donner votre argent à des grandes multinationales qui se font beaucoup d'argent sur votre dos. Vas-y, on va réapprendre comment on tisse. Vas-y, on va réapprendre comment on fait ça. Et en fait, on faisait ces ateliers au fur et à mesure. Et c'était vraiment l'antithèse de l'approche bobo consumériste zéro déchet.
Elle existe et je la nie pas, mais pour moi, ça se limite pas du tout à une classe sociale. Alors du coup, si j'ai bien compris, donc pendant que tu faisais, tu avais comme travail, tu étais payé pour donc être agent de la modernisation forcée du monde, c'est-à-dire celle qui arrache les gens, qui les dépossède de leur, qui les isole socialement parce que les dépossède de leurs moyens de vivre. En même temps, du coup, tu allais un peu soigner en leur apprenant, voilà, comment se débrouiller de briques et de brocs pour finalement se faire des savons. Et est-ce que tu n'avais pas une dissonance cognitive à faire ça ? Ah, totalement. Alors, non seulement une dissonance cognitive entre l'action du gouvernement et ce que je faisais sur mon temps libre, c'est-à-dire pas mal de temps libre, parce qu'en Argentine, on commence très tôt, comme il fait très chaud, et on termine très tôt aussi, à 16h en général, on est sorti. Et moi, après, je faisais ma deuxième journée, le week-end. Alors déjà, j'avais cette dissonance cognitive-là très forte, et surtout, j'avais la dissonance de la blanche occidentale qui arrive et qui apprend la vie à des gens qui sont sur place, quoi. Et ça, au bout d'un moment, je ne pouvais plus le supporter. Et je pouvais... Non, plus. Non, là, je ne peux pas te laisser dire ça. Ce n'est pas vrai. En revanche, non, je me suis fait des âmes. Voilà, j'étais aussi dans le collectif Ni Una Menos. Ouais. Mon engagement, en tout cas féministe, a commencé en Argentine. C'est vraiment un militantisme que je n'avais pas du tout avant de partir. L'écologie, oui. La lutte contre les injustices, contre le racisme, oui. Autant le féminisme, c'est vraiment quelque chose qui n'était jamais apparu dans mon paradigme de vie. Autant, ouais, avec Ni Una Menos en Argentine, je me suis pris ça de plein fouet. Et avec la Pachamama aussi, une autre rapport à la terre, la philosophie holistique aussi. Et c'est vrai que j'avais besoin de retourner avoir une action de résistance peut-être et de résilience là où je me sentais le plus légitime. Et c'est vrai que c'était plus là-bas, il y avait cette dissonance trop forte de l'humanitaire Barbie, quoi. Et en plus l'expat, parce qu'évidemment, j'étais pas migrante, j'étais expatriée, un statut beaucoup plus enviable. Et je pouvais pas non plus abandonner ma famille. Enfin, je suis assez proche de mes parents, etc. J'ai jamais coupé les ponts, même si parfois ça a été très difficile, de par mes choix qu'ils ne comprenaient pas. Mais du coup, je me voyais pas ne pas rentrer en France et donc prendre l'avion. Et me mettre dans une situation où j'allais m'auto-justifier chaque année de devoir prendre l'avion, un long courrier pour rentrer, bah c'était plus possible. Et pour toutes ces raisons, je suis rentrée. Et tu t'es mis à fond sur le zéro déchet, sur Edeni, en France. Ouais, alors je me suis pas mis... Là encore, c'est un truc en général, on voit pas, mais c'est les gens qui viennent pas poser de questions. Et je comprends, hein, parce que c'est pas non plus ce qui est le plus visible, mais c'est pas du tout avec le zéro déchet qu'a commencé Edeni, hein, vraiment pas. C'était vraiment sur comment on change de paradigme. C'était ça, c'est-à-dire comment on se forme à tous ces trucs, même le féminisme... les luttes de classe ou la finance, comment fonctionne la monnaie, enfin, c'était vraiment toutes ces questions. Et moi, pendant 6 mois, j'ai vraiment continué de lire énormément, mais surtout être allée à toutes les conférences. C'est là que j'ai rencontré la première fois le collectif Deep Green Resistance. Aussi, c'est là où j'ai rencontré des acteurs de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, mais aussi des associations, mais aussi, enfin, vraiment tout un écosystème, de dire, OK, comment on change de point de vue sur ce qui semble être une évidence et ce qui nous entoure. Et il y a tellement de causes. C'était même une frustration de se dire, je ne peux pas viser tout en même temps et sur laquelle, à un moment donné, on va se fixer. Et on va pouvoir avancer, créer du contenu, créer une lutte, créer des actions d'impact positif, etc. Et
Et tout simplement, je suis revenue sur moi, parce que je vois pas quelle légitime j'avais par rapport à des collectifs et des militants de 30 ans sur des sujets, que ce soit l'antinucléaire, que ce soit le féminisme, que ce soit l'antiracisme, l'homophobie. Moi, ce par quoi j'avais eu ma plus grande prise de conscience, et ce sur quoi j'étais devenue experte, mais pas du tout à titre professionnel, à titre individuel, voilà, j'avais plus de poubelle, j'allais plus en supermarché, c'était le zéro déchet. Et c'était un truc qui commençait à être bien développé, sur lequel il y avait beaucoup d'interrogations, de demandes. Et surtout, j'étais à Paris. Et ça, c'est encore une fois, déterminisme social, c'est un contexte, en fait. À Paris, il y a quoi ? Il y a des CSP+. Qui pollue le plus à Paris ? C'est les cadres sup. Et qui instaure et diffuse une mentalité, une société, et on en reparlera sur la violence, mais c'est cette violence structurelle d'un modèle clé, ça c'est les institutions de pouvoir. Mais derrière ces institutions et ces organes de pouvoir, il y a des individus, il y a des pères, des mères, des frères, des sœurs, et eux, ce qui les touche, c'est pas tout de suite d'aller leur parler de radicalité, de détruire le système, d'être Pachamama et de revenir à une économie vivrière avant même de supprimer l'économie. Eux, ce qui les touche, c'est d'abord de se dire « Ok, moi, mon fils est né autiste et ça a été prouvé que c'est à cause des perturbateurs endocriniens et comment je fais pour lutter contre ça ?» À chaque fois, là où il y avait des prises de conscience les plus fortes et des gens où je pouvais aller briser leur carapace de certitude autour de l'économie de marché, c'était quand je leur parlais de « mais tu te rends compte que en fait, dans 90% des bouteilles en plastique, il y a des microplastiques, et que ça va engendrer ça, 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 et que les additifs dans ta bouffe, ça peut entraîner ça, 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 et dès qu'on commence à toucher à leur famille, à leurs enfants, à leur santé, là, on touche quelque chose d'important, et peut-être que ça peut être une des portes d'entrée, en tout cas, moi, c'est celle que j'ai... » Tu veux dire que si on, si on menace... la vie des riches, leur santé, leurs enfants, en fait, ils vont changer. C'est ça qui leur fait peur. C'est toi qui l'as dit. Non, mais voilà, c'est un peu comme ce que disait ACT UP sur le fait d'aller prendre à partie des gens et de les menacer de faire leur outing ou de menacer leur famille. C'est ou... critiqué, Bien sûr que c'est critiqué. C'est pour ça que je te dis, je sais pas si c'est la meilleure manière non plus, la menace et... en revanche, moi, je suis persuadée, comme ce que vous diffusez, de la complémentarité des luttes, la complémentarité des stratégies, la complémentarité des actions. Je pense qu'il n'y en a pas qu'une. Moi, c'est parce qu'encore une fois, contextuellement, de par mon histoire, de par le peu de pouvoir que j'ai, de toutes les limites fictives que je me suis sans doute créées aussi, et par ma couardise, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple. Pour avoir une action la plus sincère possible, la plus honnête possible, sans pour autant qu'elle soit parfaite et certainement pas suffisante. Mais en tout cas, c'était l'action la plus simple que j'avais et celle où je pouvais apporter le plus aussi parce que j'avais été capable de l'incarner. Alors, je n'appelais pas du tout à aller menacer les enfants et les familles des riches. Mais ce que je te demandais, c'était... du coup, nous, on est critiques avec ça, avec les gestes individuels qui peuvent changer certaines consciences de certaines personnes. Mais si on arrête là, et si on ne questionne pas les structures mêmes et qu'on ne démantèle pas les structures d'oppression, on aura convaincu 2-3 personnes et ça s'arrêtera là. Et la tâche d'un ou d'une activiste, peut-être que c'est de démanteler les structures d'oppression plutôt que de naviguer à l'intérieur avec le plus d'intégrité morale possible. Peut-être qu'on va un peu essayer de démystifier cette notion du déchet, surtout que tu as écrit un manifeste sur ce thème.
brièvement, hein, mais on a quelques questions sur déjà, qu'est-ce que le déchet ? C'est quoi le déchet ? Alors, qu'est-ce que le déchet ? Effectivement, on peut se poser la question qu'un déchet, ça n'existe pas forcément, mais de ce que j'ai appris, en tout cas, avec des scientifiques qui travaillent sur le sujet, oui, il existe des déchets, notamment le plastique. Pourquoi ? Parce que c'est pas comme Lavoisier, tout se crée, tout se transforme. Rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. C'est le fait qu'on a créé, avec cette société extractiviste consumériste, une nouvelle molécule de plastique, donc issue de la bakélite, à la fin du 19e siècle, qui était très utile pour tout un tas de situations et qui a pu être présentée même par des humanistes, parce que dans certains milieux médicaux, ou même maintenant par des écologistes sur l'encadrement des portes pour éviter la déperdition énergétique d'un bâtiment, etc., et bah, c'était super utile. C'est un matériau plus résistant, plus léger, solide, etc. Sauf qu'on s'est aperçu que le plastique qui va se subdiviser en microplastiques, mais ceux-là ne pourront jamais se transformer, en tout cas de ce qu'on sait. Tout le plastique qui a déjà été créé sur Terre existe, continue d'exister, donc sur le même tonnage, sous forme de microplastiques qui se répandent dans le fond des océans, qui détruisent tous les écosystèmes dans lesquels ils sont, parce qu'ils ne sont pas absorbables par la planète. Et ça, pour moi, ouais, c'est un vrai problème, et c'est un vrai déchet. C'est pas un truc qui se transforme, c'est pas les feuilles tombent, et ça va faire du compost, ça va faire du houmous, etc. C'est vraiment un truc néfaste qu'on a créé, comme tout ce qu'on envoie dans l'espace, et qui se décompose, mais qui sera jamais, qui fera jamais vraiment partie des atomes du cosmos, qui pourra être réintégré, qui fera d'autres planètes, des météorites, etc. C'est vraiment un truc un déchet, quoi. Un truc qu'on a créé et dont personne ne veut. C'est-à-dire, je te donne 1000 euros pour prendre ça, même avec ça, t'en veux pas, quoi. Mmh. Mmh. Et du coup, le zéro déchet, c'est un terme qui a été ultra repris maintenant et qui est devenu à la mode et tout le monde s'en empare, même le gouvernement, même des boîtes qui te vendent, il y a même des pailles en or, Chanel, j'ai vu ça, enfin, zéro déchet, enfin, tu vois, on arrive à des trucs absolument débiles. Alors il y a une première manière de réfléchir un peu plus intelligemment, c'est d'y apposer aussi l'idée de zéro gâchis. Et là, du coup, on revient à son besoin. Et si on pousse vraiment la logique, si on est accompagné pour réfléchir à ça, en réalité, on s'aperçoit très vite qu'on n'est pas dans une société qui répond à nos besoins. On est une société qui produit, qui surconsomme et qui va stocker des choses pour accumuler un capital, pouvoir le faire fructifier et après s'en servir. Mais après, tout terme peut être galvaudé. Tu peux en faire ce que tu veux. Enfin, il y en a qui vont te faire des trucs dégueulasses, de l'anarchisme, qui va être misogyne, qui va être tout ce que tu veux. Et c'est pareil avec le zéro déchet, le zéro gâchis, l'économie circulaire. Bon, l'économie circulaire, ça partait mal de base parce qu'il y avait l'économie. Voilà. On est d'accord. Bon. Mais du coup, tu prônes quand même le zéro déchet. Du coup, est-ce qu'il y aurait un bon zéro déchet et un mauvais zéro déchet ? Et aussi une question, tu parlais beaucoup du plastique, qui est un véritable problème et on se rejoint totalement. Mais en fait, on est entouré de déchets, notamment en ville et dans nos modes de vie. Et je vois par exemple, si on allume une lumière, on construit du déchet en fait. C'est-à-dire que l'énergie aujourd'hui repose sur une énergie nucléaire qui produit des déchets sur des millions d'années qu'on ne sait même pas comment. Pareil, un peu comme le plastique. Ouais. Enfin, on n'a aucune certitude sur la possibilité d'absorption par la planète des déchets nucléaires. Donc, comment est-ce que tu peux mettre le zéro déchet dans quelque chose de systémique, dans une approche en tout cas systémique du déchet ? Oui, je pense que l'écueil vient de suivre vraiment l'occurrence zéro. Mmh. De dire, du coup, l'objectif suprême serait d'arriver à zéro déchet, comment on fait, etc. Est-ce que c'est viable ? Alors qu'en réalité, c'est comme de dire, on cherche la vérité. On peut la chercher longtemps, hein, on n'y arrivera jamais. Le zéro déchet, je pense que c'est plus
un pied dans la porte pour certaines personnes. Encore une fois, tant mieux s'il n'y en a pas besoin, et c'est pas du tout un objectif, mais pour certains, ça peut être le début d'un voyage de prise de conscience. Et surtout, en fait, c'est un voyage qui est à la mode, rien de plus. Je pense vraiment qu'il faut pas... Enfin, moi, en tout cas, c'est pas il faut pas... Je me pose pas du tout en... Je prône rien du tout, d'ailleurs, et j'ai pas de certitude. C'est un outil marketing pour la résistance écologique. Je sais pas. Parce que si c'est un voyage... J'adore les voyages. Mais pour aller où? Parce que si c'est pour un voyage, pour aller vers le bonheur individuel, dans un écocide en cours... Moi ça me parle pas, mais si c'est un voyage vers la résistance, alors qu'est-ce qu'il faut dire aux gens qui aujourd'hui prennent le problème par le bout, par les symptômes, c'est-à-dire le déchet qui est tout au bout de la chaîne, et leur dire mais c'est sympa de traiter les symptômes, mais si vous traitez pas les causes, la maladie qui se répand en même temps, vous allez nulle part, à part dans votre bulle de bonheur. Alors là on touche à un point très très important, c'est l'objectif final. Même s'il n'est pas toujours clair et unique, et tant mieux, doit être très bien balisé et encadré et pas se mentir. Nous, notre objectif, et c'est dans la charte, avec Edeni, qui est totalement différent, hein, je ne représente pas Edeni, moi, Hélène de Vestel, et je m'en détache à bien des égards, et en même temps, voilà, on m'interroge sur le déchet, sur le zéro déchet, qui est plutôt une terminologie qu'utilise le collectif Edeni plutôt que moi dans ma vie perso. Mais que ce soit Edeni ou que ce soit moi, je pense que les fois où on utilise zéro déchet, c'est bien clair que ça s'inscrit jusque dans la charte, jusque dans mes écrits, etc., dans une logique beaucoup plus radicale, grande, et sur laquelle je rejoins tout à fait tout le travail de Floraison depuis le début, et qui est, moi, à titre personnel, en tout cas, l'anarchisme communautogéré, de revenir à quelque chose où on est totalement libéré d'une nécessité de stockage et d'accumulation du capital qui, quand on lit Homo domesticus, etc., est vraiment le début du problème. Et quand on analyse des quelques sociétés dites primitives qui fonctionnent, qui arrivent à être en harmonie et donc à ne pas considérer que l'humain soit le problème en tant que tel, l'humain est un animal comme un autre et il pourrait très bien être en harmonie avec son entourage à la condition que, comme les autres animaux, ils ne se mettent pas dans une position de domination et d'accaparement de ce qui l'entoure. Or, cet accaparement, il provient de la nécessité de stocker, de répondre à une sédentarisation et un développement très grand. Là où moi j'aimerais que ça soit clair pour les gens qui nous écoutent, c'est sûrement clair pour toi, mais que structurellement, en fait, les sociétés occidentales capitalistes font du déchet. Elles sont obligées d'en faire pour survivre, elles sont obligées d'en faire de plus en plus. Mais c'est surtout parce que ça ne les intéresse pas. En fait, il y a toujours une partie de sacrifié qui ne rapporte rien, qui n'a pas de valeur au sein de l'économie. Et du coup, sur un truc, on le met de côté et ça ne nous intéresse pas. On s'en gère pas. On n'en a pas besoin puisqu'on n'est pas relié à nos besoins. Le principe même de considérer le monde naturel comme une ressource et de le transformer en marchandise, c'est le début de la pensée qui mène jusqu'aux déchets. Et qui pollue le plus, c'est sûrement pas les individus, c'est les entreprises. Et elles sont obligées, en fait, de mener cette destruction, cette pollution, tout autant que cette aliénation de la population et du monde vivant, pour continuer. Donc là où je veux en venir, c'est que si une personne souhaite réellement arrêter le déchet et la fabrication de déchets sur cette planète, son échelle individuelle va peut-être la réconforter, lui faire du bien personnellement, mais en réalité, le déchet ne va pas continuer et va même faire de plus en plus, s'accélérer. Cette personne, si réellement elle se soucie du déchet, il faut mettre des bâtons dans les roues du capitalisme pour qu'il s'arrête le plus vite possible. Oui, alors ça c'est évident, mais comme tu l'as dit, le déchet est ce qui arrive ultimement, en fait c'est une conséquence de ce capitalisme extractiviste. Et du coup, ça en fait partie, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, comme ça en est une des conséquences, si tu pars de cette conséquence, que tu mets tes yeux là-dessus, que tu ouvres, que tu retires tes œillères et que tu dis « mais en fait, c'est quoi le déchet ?» Tu vas arriver, petit à petit,
à déconstruire de plus en plus et arriver jusqu'à la certitude de dire « Ah bah, si je veux retirer le déchet, forcément, le capitalisme est un problème. » Sauf que c'est pensée mentale. Et je dis pas pour tout le monde, encore une fois, si vous êtes né avec cette, quelque part, clairvoyance, c'est certainement que vous êtes né dans des conditions difficiles. Et que, du coup, vous êtes les perdants et les perdantes du capitalisme et de la société totalement injuste, violente, misogyne, etc. actuellement. Et du coup, si vous avez eu les moyens d'avoir cette prise de recul, de voir cette injustice, de voir ce problème et d'avoir rien à perdre, en fait, et du coup de se dire « Ok, je peux tout quitter parce que, et lutter contre ça », et bah, c'est ce dont on a besoin. Et du coup, moi, je me joins totalement à cette lutte, sauf qu'en France... Et à Paris, a fortiori, encore une fois, recontextualisons sur nos lieux de lutte, nos champs de lutte, c'est pas la majorité des personnes. Et du coup, la majorité des personnes sont totalement embuées et tout est fait pour qu'elles continuent de rester dans cette matrice et qu'elles, surtout, elles ne se posent pas de questions et qu'elles n'en sortent pas. Voilà, elles s'en rendent pas compte. Et moi, je me rappelle que... à l'école, et pourtant je lisais beaucoup et j'étais pas que dans des lectures consensuelles, etc. Mais pour moi, l'anarchisme était forcément violent, c'était des gens aigris qui contestaient tout le temps et qui voyaient pas et qui les vaccins, la médecine moderne, tout ça n'aurait jamais été inventé s'il n'y avait pas eu le capitalisme, etc. Et puis le communisme, le fait de répartir entre les gens, bah, c'était Staline ou c'était Cuba ou c'était la Corée du Nord. Et du coup, il y a énormément de personnes qui, dans leur parcours de vie, n'ont eu que cette vérité-là. Et en plus, qui ont été répétées et inculquées par des gens qui pouvaient admirer ou qui avaient un biais d'autorité par rapport à eux très fort, qui étaient leurs professeurs, qui étaient leurs parents, qui étaient leur maître de stage. J'ai pas du tout envie de prendre pour des enfants les gens qui m'entourent ou que je forme ou les auditrices d'aujourd'hui. C'est pas ça, c'est juste que je pense qu'il y a une certaine vertu aussi à respecter un parcours d'étapes, un initiatique de personnes qui petit à petit vont s'apercevoir des choses. Enfin, moi, je reçois sur mes réseaux sociaux tous les jours des messages de jeunes filles essentiellement pour mon combat féministe. Et j'en ai encore publié un aujourd'hui qui sont bouleversées. Et j'ai déjà reçu des lettres comme ça qui m'ont retournée. Il y a un père qui m'a adressé une lettre de sa fille qui s'est suicidée par éco-anxiété, elle était dévastée, elle a découvert la violence de ce monde et notamment avec notre travail, en fait. Et quand on parle de l'injustice de ce monde et de tout ce qui est dégueulasse, bah, parfois, si on se prend ça de plein fouet, ça peut être trop douloureux à vivre. Et je dis pas que le zéro déchet, ce serait totalement faux de ma part et ce serait une défense bien maigre de dire bah, du coup, ça peut être une première étape. Et puis petit à petit, ils avancent, ils découvrent les problèmes au fur et à mesure qui deviennent de plus en plus gros. Sauf que comme on est ensemble, comme on a créé une communauté bienveillante et quand on a mis en place des premières actions, eh ben, on retrouve un peu du pouvoir entre nous et on se dit « Ok, je peux surmonter ça. J'ai réussi à surmonter telle et telle étape, aussi insignifiante soit-elle que d'avoir une gourde ou d'aller au vélo. » D'aller au travail à vélo, mais du coup ça a donné un peu des moments de succès et donc de pas partager un système d'échecs sans cesse en se disant bah oui mais les anarchistes ont toujours perdu jusqu'à présent et du coup si c'est la seule voie et qu'on me présente que tout le reste c'est de la merde et ok je baisse les bras tout de suite parce qu'on n'y arrivera pas parce que le combat est totalement démesuré et que on n'y arrivera jamais. On peut être amené à baisser les bras, donc voilà, je dis pas que c'est la seule façon de faire un premier petit pas, mais en tout cas c'en est une qui pour nous fonctionne avec encore une fois notre contexte et les personnes avec qui on travaille. Non, mais bien sûr, c'est sûr que le zéro déchet mis dans un contexte parisien est totalement autre que dans une échelle de résistance globale. Enfin, il y a plusieurs échelles, plusieurs enjeux qui sont à mettre en lumière pour le comprendre.
Moi, je te rejoins assez sur ces petites victoires personnelles et micro-collectives qui font un peu du bien. Mais quel que soit l'enjeu, hein, que ce soit, en effet, tu parlais d'avoir une gourde, mais d'aller bloquer pendant quelques heures quelque chose. C'est des choses qui nous rassurent, nous font prendre conscience de l'enjeu global et du coup d'une lutte un peu plus offensive nécessaire. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont ultra importantes. Après, là où j'aimerais bien t'écouter aussi, c'est Edenia a quand même une forte présence dans les entreprises, du conseil en entreprise pour réduire les déchets. Et on parlait tout à l'heure du problème du capitalisme et qu'en fait c'est l'industrie qui produit les déchets et que c'est elle qu'il faut arrêter. Est-ce que tu ne penses pas que faire des formations pour que les entreprises passent au zéro déchet, elles font déjà des déchets, c'est pas une forme de leur déjà, de greenwashing, de verdissement de leur propre production, et que tu deviennes, enfin, que Edeni ou le zéro déchet deviennent un label pour une caution. Voire même, j'irais même plus loin, parfois on s'interroge si c'est pas même une préservation. Oui, totalement. Exactement. De durée de vie, augmenter la durée de vie des entreprises un peu plus loin avant qu'elles pètent, quoi. C'est un peu tout le souci, effectivement, on s'en cache pas du tout, on réfléchit toujours en interne là-dessus. Pareil sur l'action gouvernementale, c'est le fameux débat avec les citoyennistes. Et en fait, avant que ça s'effondre, du coup, on va continuer de croire en l'État, en les institutions. Et du coup, elles vont pouvoir durer un peu plus longtemps parce qu'elles se seront améliorées par rapport à être abolitionnistes directement. C'est la même question dans les abattoirs, c'est la même question. Enfin, ça concerne toutes les luttes, en fait. On améliore à court terme parce que on n'a pas encore le pouvoir d'abolir, ou est-ce que on met le paquet directement sur l'abolition et on perd pas de temps avec les petits pas, quoi. J'ai pas la réponse, franchement, je sais pas. On fait ce qu'on peut. Vous avez pas tranché. Non, on n'a pas tranché. Franchement, on n'a pas tranché. Pourquoi ? Je vais te dire très sincèrement, parce qu'on rencontre des gens qui c'est assez hallucinant d'ailleurs. Moi, j'ai accompagné quelqu'un donc dans des formations qu'on fait où franchement, on le montre jamais de prime abord parce qu'on veut vraiment intégrer. Enfin, c'est vraiment la logique des doubles visages, quoi. On peut être allié et agir sur un autre terrain que celui des convaincus. Et moi, c'est vraiment le travail que j'essaie de faire avec Edini parce que j'ai eu l'occasion de fréquenter des gens qui appartiennent à des cercles de pouvoir ou à des cercles de responsabilité. Et quand je suis revenue d'Argentine, j'y avais plus du tout accès. Et je me suis dit, putain, c'est con. Parce que du coup, je me sens beaucoup mieux. C'est vrai que je suis beaucoup plus épanouie avec des frères et des sœurs de lutte qui n'ont rien à perdre comme moi, qui sont RSA comme moi, qui voient les injustices comme moi. Sauf qu'on est toujours dans un entre-soi militant, convaincu, et que du coup ceux à qui je pouvais parler avant et qui avaient une âme, c'est des humains exactement comme moi il y a 5 ans, en fait c'est moi il y a 5 ans, eux j'ai plus accès, quoi. Et je me suis dit, mince, c'est bête, comment je peux faire pour y retourner accès? Et en faisant moins peur. Alors oui, j'ai écouté mon père et ça m'a fait mal de le faire, hein, vraiment le père patriarcal, bien fort, où faut pas être hystérique, faut pas faire peur, faut pas avoir un discours trop radical, etc. Sauf que, à un moment donné, je me suis dit, je vais faire ça, ça me fend le cœur, et franchement, c'est extrêmement douloureux pour moi, et même encore maintenant. Je dis pas que j'ai raison et je suis, j'en parle tous les jours et toutes les semaines et j'essaie de faire évoluer ma pensée, mais intimement convaincue au fin fond de mon cœur, j'ai l'impression qu'il faut bien que quelqu'un s'y colle et qu'il faut des gens qui soient au bout d'un moment qui puissent activer on va saboter un endroit et qu'on a besoin d'une signature de quelqu'un qui est infiltré à un système de pouvoir ou qui nous passe des documents internes dont on a besoin pour accéder à un bâtiment, etc. Ces gens-là, si on les refuse dès le début et qu'on leur dit que c'est des merdes et que
on ne veut pas d'eux dans nos systèmes, ben voilà, on ne pourra jamais leur parler. Et moi, je me suis dit, ben, j'aimerais bien leur parler, j'aimerais bien pas totalement rompre le fil. Et du coup, Edeni a une façade, une page voilà, infiltrée, très consensuelle, très sympa, qui ne fait pas peur, qui est jolie, qui utilise un vocabulaire très positif, même si... même si inclusif, etc., etc. Et en même temps, on ne change pas notre discours. C'est-à-dire que sur 6 semaines d'accompagnement, par exemple, bah, au début, on est tout consensuel, on parle des 5 R du zéro déchet, etc. Et puis petit à petit, on va creuser la merde un petit peu plus loin jusqu'au dernier jour où on parle de société de résistance, où on montre les schémas d'Arik Macbeth, où on parle de la complémentarité des luttes et on fait la dissociation entre effectivement eh bien, culture alternative qui va fuir, qui va construire ses îlots de résilience versus culture de résistance qui va rester au combat, etc. On parle des 2% qui vont être devant et des 98% qui vont être en soutien. Et j'espère à un moment donné, et jusqu'à présent, j'ai eu des signaux très positifs là-dessus. Par exemple, un directeur de clinique, déjà il nous a fait venir dans son hôpital et on a eu le même discours voilà, très très consensuel au début, et puis petit à petit on les amène à ouvrir de nouvelles fenêtres, à connecter de nouvelles synapses, et à la fin il y en a plusieurs, dont lui, costard cravate, 45 ans, qui sont venus nous demander s'il n'y avait pas des cellules de résistance qui pouvaient rejoindre la nuit, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et moi ça me donne de l'espoir, et je me dis bah tant pis si j'essuie des critiques, des attaques personnelles sur la thune, sur le prix, sur le discours des dénis tous les jours, bah je continue de me battre pour ça, parce que moi je crois à cette tactique, oui. et jamais je dirais que c'est la meilleure tactique, j'en sais rien du tout, c'est juste celle qu'on a choisie, quoi. Je pense que ce que tu dis ça parlera à des gens qui cherchent une approche non dogmatique des façons de résister. Et c'est vrai qu'on est toujours en tension. Parce que, comme tu dis, on fait partie du système. En fait, on a toujours forcément un pied dedans. Il y a un danger à croire qu'on fait partie de la solution et qu'on ne fait plus partie du problème, alors qu'en fait, on en fait encore partie. Ouais. Mais il y a possibilité de, en gros, dévoyer des gens, trouver des traîtres, pousser les gens à être des traîtres. Mais c'est la tension permanente parce que, à quel point, toi, tu n'es pas en train de servir le système, qui est le plus malin des deux. Ce dont j'ai peur aussi, c'est qu'à trop aller chercher les personnes qui ont le pouvoir, en se disant, ils ont du pouvoir, et si jamais... ils et elles ont du pouvoir, et si jamais on les dévoie, on va pouvoir l'utiliser à nos propres fins. C'est encore attendre que la solution déjà vienne de par le haut. Même si je dis pas en pratique, il y a des gens qui ont accès à tel bâtiment et d'autres qui n'ont pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore attendre que des positions de pouvoir, des positions clés, que la solution vienne de là plutôt que l'organisation se fasse par le bas. L'autre risque aussi, c'est de perdre du temps à ça. Parce qu'en fait, la majorité des gens à qui tu parles sont payés pour pas comprendre le problème. Mmh. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils comprennent pas le problème. Et dès qu'ils sont défaillants, ils seront remplacés. Et du coup, à moins de devenir totalement schizophrène, comment tu tiens ? Comment ces gens tiennent ? Et est-ce qu'ils sont réellement efficaces ? Est-ce que c'est pas une perte de temps encore d'aller chercher eux plutôt que de s'organiser à la base, localement, sans eux ? Ouais, tout à fait. En fait, j'ai toujours une critique de est-ce que ça, on perd pas son temps ? Puis j'ai l'impression que depuis 30 ans, on perd notre temps dans tous les cas. Moi, je pense pas avoir la solution. Je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et je crois beaucoup à l'intelligence collective qui vient de tout endroit. Du coup, j'essaie d'avoir une approche la moins dogmatique possible, de jamais présenter des vérités, mais des recherches. De s'interroger tous ensemble et de se dire peut-être qu'au bout d'un moment on trouvera et surtout on aura ouvert la fenêtre d'Overton avec plus de radicalité, à se permettre de penser plus de choses. C'est pour ça que j'accueille toujours la critique avec énormément de satisfaction et plaisir intellectuel, et ça m'interroge et on évolue beaucoup aussi là-dessus.
encore une fois, comme tu dis, est-ce qu'on fait partie du système dans tous les cas, aussi radical qu'on soit ? Enfin, il y a très peu de personnes, même dans les ZAD en y étant allées, il y en a encore qui touchent le RSA, il y en a encore, même dans les militants, des gens qui touchent, et vous en faites partie, des Tipeee. En fait, cet argent, il vient d'où ? Enfin, il vient de personnes qui ont des boulots aussi et qui ont besoin. Donc, on se leurre tous un peu à se dire « Non, mais on... enfin, voilà, tout le monde veut être le plus radical ou le plus militant des autres. » Et je trouve qu'il y a un peu une course égocentrée et malsaine à rejeter les autres. En revanche, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas visualiser un objectif clair et pour ne pas avancer. Et moi, cette tension, je pense que cet arbitrage, il est permanent et il est très précaire. Par exemple, on m'a demandé d'être députée des Français de l'étranger pour La République En Marche quand j'étais en Argentine, et donc d'être infiltrée. Enfin, clairement, j'étais dans un groupe d'écolos en Argentine, avec Nina Menos aussi, etc. Et quand il y a eu cette opportunité-là, moi qui étais totalement... alors, j'étais pas politique, mais ça, je le savais pas à l'époque, parce que je me rendais pas compte que tout était politique. J'étais pas encore bien politisée. En revanche, j'étais totalement apartisane. Mais il y avait cet appel de La République En Marche qui voulait... alors déjà, des filles, bim, c'était coché. Des moins de 30 ans, bim, c'était coché. Et ils voulaient une franco-argentine pour pouoir préparer le G20 avec Mauricio Macri en 2019, je crois, ou 2018, il y a eu le G20. Donc ils cherchaient quelqu'un qui pourrait faire ce lien pour le poste des députés des Français de l'étranger de toute l'Amérique latine et centrale. Et donc je cochais un peu toutes les cases. Et en plus, j'étais plutôt bonne oratrice dans les associations, etc., reconnue. Et donc, ils m'ont demandé, présélectionnée. Et là, premièrement, j'étais pas aussi sûre dans mes convictions que maintenant, pas aussi avancée. Et du coup, j'ai eu peur de moi. J'ai eu peur des dorures et de... En fait, ça aurait pu avoir de la gueule sur le moment de me dire « Waouh, la première féministe végane, zéro waste, qui arrive avec sa gourde à l'Assemblée, etc. » En fait, j'ai eu peur de moi-même et de me dire « Ouais, mais une fois que j'y serai, je vais passer de galère financière à 5000 euros par mois, puis des vols en première classe, puis les dorures, puis tout offert. » Et je vais avoir du mal à m'extraire de ça. Et en plus, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'il fallait signer. Donc, je n'étais pas encore intronisée, hein, mais ne serait-ce que pour candidater. Il fallait signer un papier sur lequel c'était pour tous les candidats. Donc, il y en a beaucoup qui ont eu ce papier. En gros, à la fin des quelques pages, c'était tu renonçais à tous tes droits d'expression individuelle pour te soumettre au parti. Ouais, ouais. Et là, j'ai vu le piège gros comme une maison, même sans être politisée. Enfin, fallait, même en étant la plus naïve du monde, là, c'était trop gros, quoi. Et du coup, j'ai refusé. Donc, cet acte que j'ai pu faire dans ce contexte-là. Je me pose la question, évidemment, tous les jours. À chaque fois que je vais dans une entreprise, à chaque fois que je vois une organisation, à chaque fois je vois des individus dans les bootcamps, est-ce que, en fait, à une autre échelle, je suis pas en train de faire le mauvais choix là, tout de suite, et de me leurrer, et de penser que non, mais je vais leur parler de trucs ultra-radical, d'anticapitalisme, et petit à petit, je vais réussir à instaurer un nouveau paradigme, une nouvelle culture, et on va briser des tabous ensemble, et l'intelligence collective va faire qu'on va réussir à mettre en place des stratégies, des tactiques et que ça va se répandre. J'en sais rien. Je plante des graines. Est-ce que je me leurre ou pas? Si on me démontre que je me leurre, je l'accepterai et je ferai autre chose. Pour le moment, on ne me l'a pas démontré. Et surtout, pour le moment, l'alternative, elle est compliquée. J'en ai fait des libérations de nuit dans des abattoirs. Mais voilà, à chaque fois, c'est un, deux individus... Et nous, c'est pareil. Quand on accompagne des promos de 25, c'est 25 individus. Est-ce que c'est pas ridicule? Est-ce que c'est pas tout aussi ridicule de parler entre nous à un podcast où il va y avoir 2000 auditeuristes que
que d'avoir une gourde zéro déchet. Et puis, même la gourde zéro déchet, j'ai envie de dire, à chaque fois le procès qu'on fait contre le zéro déchet, je suis la première à le faire. Et moi, ça m'insupporte aussi les influenceurs et influenceuses. Déjà, rien que ce terme mérite le poil, zéro déchet. Évidemment que ça m'insupporte. Et de l'autre côté, ça m'insupporte tout aussi d'avoir des militants qui, soi-disant, sont plus purs que moi, qui ont l'auréole de la radical police, anarchiste police, etc., qui, eux, en revanche, rien à foutre d'avoir des packs de bière, canettes qui jettent dans la rue, avec des paquets de chips, des trucs, machin. Enfin, ayons de la cohérence sur tout, et après, poussons-nous à être de mieux en mieux, sans revendiquer, encore une fois, qu'il y ait une personne ou un groupe qui aurait la vérité et qui serait tout mieux que tout le monde, quoi. Ouais. La pureté radicale, on en a déjà parlé. En effet, c'est un gouffre auquel il faut vraiment pas se mettre dedans, quoi. C'est plus... pas l'objectif. Ouais, c'est pas l'objectif. Enfin, qui est le meilleur militant ou la meilleure militante, enfin, on s'en fout un peu. Enfin, c'est quel objectif, en tout cas, on a en commun et quel ennemi on a en commun. Et c'est un peu ce qu'on dit tout le temps à Floraison. C'est vraiment quel ennemi nous avons en commun. Et je pense que t'as l'ennemi du capital ou de la civilisation. Tu la partages avec des anarchistes ou des véganes et des personnes qui sont dans le zéro déchet peuvent aussi le partager aussi. Vachement compliqué aujourd'hui avec le zéro déchet, c'est toute la publicité qu'il y a derrière, ouais, tout le déchet que le zéro déchet produit, tout le greenwashing, le label, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est pour le coup très incohérent. D'ailleurs, on ne donne pas de label, hein. Je tiens à le préciser. parce qu'au début, en plus, vous avez présenté comme ça, j'ai pas relevé sur le moment, mais. Par moralement, enfin, vous allégez les gens aussi d'un poids, d'une certaine angoisse. Conscience. Voilà, comme tu dis, moi je lis ton site, éco-anxiété, ouais. Venez, on va le dépasser ensemble. L'éco-anxiété est le sentiment le plus naturel qu'on devrait avoir face à l'écocide en cours. C'est-à-dire, non, moi j'ai pas envie de me calmer. J'ai envie d'être en colère et j'ai envie que cette colère augmente jusqu'au passage à l'action. Le fait de se calmer, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, mais là, t'as raison. Hein. Là, encore une fois, c'est un débat qu'on peut avoir en réalité. Quand on lit vraiment, et nous, ce qu'on fait, quand on parle d'éco-anxiété, etc., on s'appuie sur les travaux de Joanna Macy sur le travail qui relie, qui est une sorte de spirale dans laquelle on passe par différents stades. Le premier, c'est s'ancrer dans la gratitude. Le deuxième, c'est honorer sa souffrance et sa colère pour le monde. Troisième, changer de regard. Et quatrième, aller de l'avant. Et en fait, à aucun moment, on essaie d'avoir cette apathie, de dire « Ah non, j'entends plus rien, en fait, tout va bien, et les petits pas, c'est génial. » Et comme on disait tout à l'heure, on a atteint un petit succès, et on n'est pas tout le temps dans ce paradigme de l'échec, etc. Sauf que, moi je suis tout à fait d'accord que cette colère, cette indignité, elle doit grandir, elle existe déjà, et en fait, c'est pas parce que nous, on s'est réveillés en 2015, qu'il n'y a pas des gens qui l'ont depuis de naissance, cette colère et cette indignité, parce qu'eux, ils la subissent, cette violence structurelle et systémique au quotidien. En revanche, donc déjà, d'une part, c'est pas du tout les travaux sur lesquels on s'appuie de l'éco-psychologue Joanna Macy, et ce qu'on fait, c'est pas du tout supprimer cette souffrance ou cette douleur ou même cette révolte. Au contraire, c'est de la reconnaître et de la considérer comme normale, et pas de se dire « Oh là là, je suis folle ou fou », et de s'appuyer sur Freud, qui décidément a vraiment détruit tellement de choses et de considérations, voilà, et notamment pour les femmes, et pas se dire « Ah, mais c'est parce que j'ai une enfance difficile que je me sens mal ». Non, en fait, c'est parce que le monde est une merde et que, et que c'est mal organisé.
Donc c'est normal. En revanche, si ça te paralyse et si ça te tétanise, bah franchement, tu seras un piètre résistant. Si t'as plus les moyens de te défendre et que tu restes enfermé chez toi à ressasser dans ta chambre derrière des vidéos que le monde est une merde, bah ça va pas servir à grand chose. Donc nous, on essaie de se réunir et de dépasser ça pour avancer. Et ensuite, du coup, la tension de ça, des gens qui critiquent sans connaître et sans s'être renseignés, sans nous avoir demandé, etc. La critique de ça, c'est oui, mais du coup, ça veut dire que des gens qui passeraient devant sans approfondir, le message qu'ils reçoivent, c'est un allègement de conscience. Et là, c'est un vrai débat, le reste, ça ne l'est pas. Mais ça, c'est un vrai débat de dire des gens qui passeraient par le site ou des gens qui verraient de temps en temps une publication, en fait, tout de suite, bam, ils pourraient ne pas prendre le bon chemin derrière si tu les accompagnes pas bien. Et ça, c'est un vrai risque et je le nie pas du tout. J'ai pas de solution parce que d'un côté, on essaie d'attirer pour aller plus loin avec d'autres et de l'autre, il y en a qui vont pas aller plus loin que les vidéos YouTube qui sont sur des éco-gestes, sur des petits trucs. Mais il y en a, ça va être leur premier pied, la première porte d'entrée, quoi. Et moi, je pense toujours à des amis que j'ai qui me restent et qui me sont chers. Et j'essaie de les attirer petit à petit vers ça sans leur faire peur parce qu'ils ont beaucoup à perdre, en fait. Mm-hmm. Et du coup, je comprends que quand t'as beaucoup à perdre ou quand t'es né ou mes parents qui n'ont pas grand-chose à perdre, mais qui structurellement, en fait, toute leur méthode de pensée, c'est bah, tu vivras mieux. Et ça les tue de voir... De voir leurs enfants voilà, qui sont RSA, qui ont envie de faire la révolution, la lutte, alors que tout ce qu'ils voulaient, c'est les petits-enfants, le labrador, le truc. Et donc, il y a tellement de choses à déconstruire que la voie que moi, j'ai choisie, elle n'est pas dans la déconstruction la plus rapide, même si j'essaie toujours de la faire plus rapide. Enfin, actuellement, la déconstruction que j'essaie de faire, elle est en 6 semaines, mais voilà, quand on se voit, quand on se voit pas, c'est-à-dire juste avec des vidéos YouTube, ça peut prendre des années, et je suis d'accord que c'est pas assez long. C'est comme la critique de la non-violence, comme le dit Elsa Darlan, en fait, la non-violence n'est pas un non-acte, c'est pas du tout passif, c'est ultra-actif, on s'en prend plein la gueule, on se réveille un dimanche matin pour aller s'attacher les uns les autres devant un truc, donc on est dans l'action, sauf que cette action, elle est beaucoup trop lente. Et elle prendra des années d'espérer qu'il y ait un mouvement qui prenne et un changement de conscience, alors que la révolte et l'opposition de la violence par de la violence, bah là, elle est rapide, c'est une autodéfense incarnée qui peut être beaucoup plus efficace. Et tant mieux, et j'apporte tout mon soutien à d'autres stratégies et à d'autres manières de faire. C'est juste que c'est pas celle que je fais au quotidien, et je sais pas si c'est parce que je suis flemmarde ou parce que j'ai pas été formée à ça ou parce que voilà, je sais pas faire autrement, en fait, pour le moment. J'ai encore peut-être une dernière critique par rapport à ce qu'on a dit, qu'effectivement l'atelier ou le podcast ou le je sais pas quoi, ça va pas changer le monde, et je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, on a publié un article sur le blog Floraison, libéral versus radical, où en fait dans la pensée libérale, il faut conscientiser les personnes, leur changer, comme tu disais, le paradigme, les idées, et mécaniquement, en fait, il va se passer quelque chose. La société va changer. Dans l'approche radicale, c'est de dire, bah non, parce que la société n'est pas seulement faite que de volonté individuelle, pour ce que ça veut dire, mais de structure, de pouvoir, et que c'est pas seulement les individus qu'il faut déconstruire, mais
le pouvoir qu'il faut déconstruire, ouais. les institutions qu'il faut déconstruire. Mais l'éducation, la sensibilisation, le partage peut aider les personnes suffisamment motivées à passer à l'action. Et là où moi j'ai une critique avec désolé d'insister sur ça, mais sur le zéro déchet. Tout à l'heure tu parlais d'éco-anxiété et de suicide, de personnes qui se suicident, et c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que quand on considère, et je sais que toi tu le fais pas personnellement, la culpabilisation individuelle. Ouais. Voilà, et tu prononces beaucoup le mot lutte. Mmh. On le voit pas souvent hein, dans les zéro déchet. Mmh. On le voit vraiment pas souvent dans la majorité des offres consacrées aux zéro déchet. La lutte est inexistante. Mmh. Elle est zéro. Voilà, ouais. Et zéro lutte, zéro déchet, zéro lutte, zéro transformation sociale. Et en fait, quand on part de ce paradigme-là, c'est-à-dire que l'humain ne peut que nuire, polluer, alors essayons de polluer le moins possible. Parce qu'on peut pas, évidemment, on a abandonné le fait de transformer le monde, du coup on va produire le moins possible. Et la fin de cette logique, c'est le suicide. Mm. Parce que quand tu te fais suicider, c'est bon. Ah bah ouais, tu réduis tes déchets d'un coup là. Donc il faut, je pense qu'on n'a pas le droit de dire ça aux gens et aux jeunes qui écoutent. On peut réparer, on peut casser ce qui détruit le monde et ne pas en faire un problème individuel, qu'aussi la solution va être collective et on peut faire autre chose que nuire. Ah mais je suis 100% d'accord avec ça, enfin, c'est une évidence, faut sortir vraiment du piège, l'écueil absolu de l'individualisation à tout prix, de la culpabilité, de dire... Ah mais c'est ta faute, si t'es comme ça, si t'es comme ça. Et justement, cette idée de déterminisme social, pour moi, c'est là où elle est majeure. C'est-à-dire que je culpabilise aucun individu en soi, peu importe son poste, peu importe où il est, à part peut-être à quelques exceptions de près de personnes vraiment de pouvoir qui ont fait avec conscience des choix vraiment mortifères pour les autres, par égoïsme ou par respect de leur classe. Mais du coup, ça pose la question de comment on réussit à passer de cet ordre collectif à cette vision holistique, cette vision de la toile de la vie à laquelle on appartient, alors que depuis tout petit, on baigne dans un univers de compétition, d'individualisme, de chacun pour soi, etc. C'est pas évident. Là encore, il y a une tension et il y a un risque. C'est d'un côté le collectif dogmatique, comme vous l'avez très bien montré dans Ni Gourou Ni Gourelle, d'avoir une emprise, de dire c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut faire, et on va tous être ensemble, ou un autoritarisme vert qui serait terrible, un État où le monde est très fort, et il y en a, hein, certains qui l'appellent de leur vœu. Alors c'est pas encore le cas dans le vert, parce qu'à part du greenwashing, pour le moment, il n'y a rien. Tu vois bien qu'en fait, il y a l'autoritarisme au nom... les gilets jaunes, voilà. Ouais. L'autoritarisme, c'est au nom d'une taxe, au nom de l'écologie, soi-disant. Ouais. Si ça, c'est pas de l'autoritarisme vert, je vois pas en fait ce que c'est l'autoritarisme vert. Oui, non, mais bien sûr, sur cette taxe, mais bon, après, cette taxe, elle était pas faite pour financer des choses vertes non plus, donc c'était un dévoiement, mais en réalité, effectivement, donc là, on vient d'appuyer le fait qu'il y a un risque à penser dogmatique, trop collectif, penser unique, et de l'autre côté, il y a aussi le risque que tu viens de soulever sur l'individualisation à outrance, etc. Et encore une fois, hein, il faut accepter de réintroduire de la nuance, de la pensée complexe, de la contextualisation, etc., qu'on a totalement oublié de faire, parce que marketing, faut penser simple, faut vendre, faut que ce soit clair, faut marteler, et on a oublié de repenser comme ça. Il y a un article de Titu Lecoq que j'aime beaucoup, qui publie sur Slate des écrits... féministe, et qui a parlé de la charge mentale aussi, de l'écologie contre les femmes. Notamment du zéro déchet en plus. Oui, notamment du zéro déchet, tout à fait, que nous on a repartagé, qu'on adore. Enfin, c'est vraiment aussi le piège de dire allez les gonzesses, si vous êtes pas, si vous faites pas votre propre déo, vous êtes une mauvaise mère, parce que vous avez donné des perturbateurs endocriniens à vos gosses, etc.
Et puis il y a aussi ce qu'elle avait dit de l'éducation de son, de ses fils, de dire ouais, alors on leur apprend tout le temps qu'ils doivent s'émanciper, se développer, Montessori, être eux-mêmes. Mais en fait non, s'ils ont envie de crier et de taper sur leurs collègues ou d'être agressifs, autoritaires, bah c'est pas ok. Et du coup, il y a vraiment cet équilibre qu'on doit, on doit lui faire face. Je pense qu'on a besoin d'y faire face, comme dans les, l'autoritarisme au sein des milieux militants, qui est aussi une plaie. Et donc, c'est pas simple, parce qu'il faut accepter qu'il y a diverses stratégies et que parfois, la stratégie hiérarchique militaire, dans le cadre d'une guérilla, d'une action directe, elle va être importante. Et parfois, on a besoin de plus de discussions. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait besoin d'arriver en fin de discussion, en fin de podcast ou en fin des fins à une solution, de se dire en fait l'individu c'est pas le bon schéma de pensée, ou au contraire le collectif c'est pas le bon schéma de pensée. Ça dépend. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est vraiment un message aussi qu'on porte à Floraison, c'est ne soyons pas dogmatiques, affrontons nos points de vue, nos pensées, et on en ressortira que plus riche. Et en effet, c'est le zéro déchet, comme tu le dis, ça peut être une porte d'entrée vers des formes de radicalisation, à la fois dans son mode de vie, mais aussi du coup dans sa pensée. Pourquoi pas? Enfin, soyons plus que... Tout à l'heure, tu utilisais le terme de cohérent, mais plutôt bienveillant entre nous, quoi. Mais dans les deux sens, dans ces cas-là. C'est-à-dire que le zéro déchet accepte des actions plus directes, et les actions directes acceptent aussi le zéro déchet. Enfin, vraiment, l'objectif, il est commun, l'ennemi, il est commun. Bah, merci beaucoup, Hélène, d'avoir participé au podcast et d'avoir donné ton point de vue sur plein de sujets. Je pense que ton parcours est vraiment intéressant et questionne beaucoup la superficie qu'on peut avoir sur beaucoup de sujets. Et donc, c'est très intéressant. Zéro déchet, zéro utilité, point d'interrogation, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos critiques quand elles nous font avancer. N'oubliez pas, il y a aussi le répondeur Floraison. Vous pouvez nous envoyer vos questions et vos messages avec le lien dans l'article. Voilà, merci beaucoup. Ni gourou, ni gourelle, ni dieu, ni maître, ni déchet, ni mari. People fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, nobody gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop. And not even a window is broken. Ideal. Except it doesn't work that way. Il faut pas oublier que la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait 2 ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants, qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats malgré nous. Qui ont fait des soldats malgré nous. Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels
feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.